tu n'aimes pas le Trégor, ne lui fais pas tort. Si tu aimes le Trégor, dis à Cannes et Rouillet qu'ailleurs il faut chercher pour le sable Macron. Dis-nous que c'est non. Pour le sable Macron, c'est non. Tu es loin de ce Trégor qu'on aime. Tu ne sais pas où est l'agnon, Macron. La parole est à Madame la députée des Côtes d'Armor, conseillère régionale, Corinne Hérel. Merci, bonjour à toutes et tous. Très heureuse de vous voir aussi nombreux, voire plus nombreux qu'il y a 3 ans lorsque nous étions déjà tous rassemblés contre ce projet à Trébeurden. Alors, nous héritons malheureusement d'une procédure de 5 ans gérée de façon inappropriée depuis le début. Le projet initial, vous le connaissez, 600 000 tonnes de sable par an durant 20 ans sur un secteur situé entre 2 zones Natura 2000 et à proximité de la première réserve naturelle de France, la réserve des Sept-Îles. Plus globalement, ce projet, c'est l'image du Trégor, c'est l'image de la côte de Granit Rose et plus largement de la Bretagne dans son ensemble qui serait durablement entachée. C'est pourquoi associations, citoyens, professionnels et élus sont depuis plus de 3 ans extrêmement mobilisés contre ce projet. Je n'ai pas changé d'avis, je suis toujours opposée. Les 13 communes riveraines, la communauté d'agglomération, des élus du Finistère, des parlementaires, mais également, et je la cite, la ministre de l'écologie Ségolène Royal s'y est opposée par écrit également. Je crois qu'aujourd'hui, la très forte mobilisation, et vous êtes très nombreux à être ici ce matin, c'est un élément central et extrêmement important. Alors un mot, merci d'être venus nombreux et je crois que votre mobilisation, et j'en suis sûre, va peser et j'espère, et en tout cas je continuerai à agir avec l'ensemble des parties prenantes contre ce projet. Et merci encore d'être venus aussi nombreux ce matin à Lannion. Merci Madame Hérel. Trégoroise, Trégorois, vous étiez des milliers à Trébeurden, nous étions des milliers à Trébeurden, nous sommes des milliers ce matin pour défendre le Trégor. Nous le faisons avec des raisons qui ont déjà été exposées, qui restent les mêmes depuis le début de ce combat en 2009. Je veux simplement vous dire que la Cannes appartient au groupe Roulier. 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 7000 personnes à travers le monde. Je crois que ce groupe peut résister à un refus, peut rechercher d'autres solutions en mer, plus au large, ou sur terre, dans des carrières calcaires. Nous ne plierons pas, nous sommes déterminés, non à l'extraction du sable coquillé en baie de Lannion. La parole est à Philippe Prisère, patron professionnel de la pêche en Bretagne. Bon ben bonjour à tous. Merci à tous les pêchous là qui sont venus nous soutenir.
Voilà. Voilà, alors moi, je ne suis pas un spécialiste hein, des discours. Je vais donc être assez bref. J'oublierai certainement de dire des choses, mais bon, je dirai ce que les pêcheurs ont à dire, j'espère. Donc, je suis donc Philippe Priser, j'ai un bateau sur la commune de Trébeurden, et donc je parle un peu au nom des pêcheurs qui travaillent dans la baie de Lannion. Donc, je ne vais pas refaire tout le discours habituel, mais les lançons, c'est quelque chose de très important. Ce sont donc des petits poissons qui s'ensablent la nuit et qui servent de nourriture à tous les autres poissons. Donc en raccourci, cet endroit-là, c'est vraiment le garde-manger de toute la baie de Lannion, et c'est un endroit vraiment qui est essentiel. C'est le cœur de notre activité de la pêche. On avait demandé également de recenser les emplois, qui étaient donc les gens embarqués sur ces 34 bateaux. Ça nous donnait un nombre de 75 personnes embarquées. C'est des emplois quand même locaux, et moi je dis que nos emplois valent bien les emplois des marchands de sable. Viennent piller, parce qu'on peut appeler ça un pillage, viennent piller la baie de Lannion. On ne comprend pas ça. C'est tout simplement inadmissible. La mer, il ne faut pas la privatiser, la mer est à tout le monde. Ça fait 4 ans qu'on essaye de discuter gentiment, mais là, la colère monte. J'espère que M. Macron va l'entendre. Voilà. Oui, je voulais parler du monde de la pêche. Le monde de la pêche va pas très bien en ce moment, ça va même plutôt mal. Et dans des périodes où le monde de la pêche va mal, les tensions montent, les nerfs sont à vif. Et il faudrait vraiment que M. Macron comprenne que là, s'il signe ce décret, ça sera peut-être la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Voilà, si ce message peut lui arriver, nous serons contents. Je crois que ça reflète un peu ce que pensent les pêcheurs. Je vous remercie. La parole est à Alain Bidal, président du collectif du peuple des dunes. Bonjour à tous. Merci, vous êtes très nombreux. Merci d'être là pour montrer au ministre qu'on n'a jamais raison, tout seul, contre tout le monde. Et à ce moment-là, j'ai dit au conseiller, monsieur, dites bien à votre ministre, parce que vous êtes le conseiller, donc vous allez conseiller. Dites bien au ministre que s'il accorde ce gisement, les colères vont s'exprimer. C'est pas du chantage, vous êtes prévenus. Depuis 4 ans, effectivement, Corinne, on se bat tous ensemble avec vous contre ce projet imbécile. Allez, n'ayons pas peur des mots, un projet imbécile. Il y a quelques années, Maurice Duverger, célèbre professeur de droit constitutionnel, avait écrit un livre qui s'appelait « La démocratie sans le peuple ». Serions-nous en démocratie sans le peuple ? Là, aujourd'hui, tous les élus sont contre. À Sivens, à Roibon, on nous dit « Il faut que les plus hauts personnages de l'État, ces projets doivent se faire parce que les élus locaux sont pour. Ici, tout le monde est contre et on ferait quand même ». Voilà, monsieur le ministre, monsieur Macron, on vous interpelle ici, tous ensemble, on vous interpelle. Nous sommes venus ici, tous ensemble, à Lannion, pour vous dire avec force et détermination non à cette extraction de sable. Ce serait un déni de démocratie dont vous pourriez porter la lourde responsabilité. Mais il y a aussi peut-être un plan B. La CAN pourrait être intelligente, pour une fois. Et comme à l'île de Sein, il pourrait dire « Je me retire, j'ai compris mes erreurs, vous m'avez ouvert les yeux, je m'en vais, basta, et adieu !» Adieu, adieu, adieu. Alors, il y a des oreilles de la CAN ici, forcément, ils sont dans la foule, il y en a quelques-uns quand même. Alors, je voudrais rappeler qu'ils ont non seulement un sens de l'humour, et puis un sens du ridicule. Ce matin, dans la presse, il y a eu un article, vous avez dû le voir, Joël Lejeune l'a rappelé. Eh ben attendez, ah non, on veut plus 400 000, 200 000, attendez, ça suffit, alors, on aura assez maintenant. Et puis, c'est plus 20 ans, c'est 15 ans, mais oui, bientôt. Alors là, on se fout de la gueule du monde. C'est pas autre chose que ça. On dit, comment peut-on dire cela, quoi ? C'est impensable. Hein ?
Alors, ils annoncent qu'ils vont supprimer 1600 emplois. 1600 emplois. Ils sont 6 ou 7000. Ça représenterait le tiers de leur activité, des emplois. Et puis, ils veulent en supprimer. Mais d'où sort-il ce chiffre ? Ah, c'est vrai qu'ils sont forts pour dire n'importe quoi. Hein. On l'a pu le voir dans le dossier d'enquête publique. Eh bien, écoutez, s'ils disent que les emplois vont être supprimés, nous, on dit aussi, eh bien, dans ce cas, pourquoi pas, parce que là aussi, c'est un manque criant de ce dossier, il n'y a pas d'études socio-économiques dans ce dossier. Je pourrais vous faire la litanie de tous les manquements, les erreurs, les omissions, les insuffisances de ce dossier d'enquête publique. Voilà ce qu'on voulait dire aujourd'hui. On espère que le ministre, il nous entend, je pense, de Bercy. En tout cas, il a dû mettre une webcam quelque part pour voir ce qui se passe à Lannion. Au moins, il saura où se trouve Lannion. Merci. Mille merci à tous. Encore bravo d'être venu là pour nous soutenir et que le ministre nous entende. Monsieur le ministre, ne signez pas ce truc, quoi. Le message est clair. Si tu dis non, Macron, les Trégorrois s'en souviendront. Si tu dis oui, ils s'en souviendront aussi. Tu n'auras pas mon sable. Non, Macron, tu n'auras pas mon sable dans la baie de l'Agnon, dans la baie de l'Agnon. Tu n'auras pas mon sable. Non, tu n'auras pas mon sable. Dans la baie de l'Agnon, dans la baie de l'Agnon. Allez ! Il y aurait un déni de démocratie si ce que nous exprimons aujourd'hui n'était pas pris en compte. Aujourd'hui, vous le constatez, tous les élus du littoral, de l'intérieur, sont rassemblés pour dire non au projet d'extraction. Donc, je crois qu'il faut nous entendre, le gouvernement doit nous entendre et prendre la bonne décision, c'est-à-dire refuser ce permis d'extraction de sable coquillé en baie de l'Agnon. Macron, t'es foutu ! Le trésor est dans la rue ! Vers l'île grande. Quand le petit pont t'a passé, à l'île grande tu es entré. Pour être île grande et mon gars, les quatre escales tu feras. Première escale, tu verras la balise.
bien accosté, ventre arrière, joli bris. Jean-Pierre te dit, je te sers un petit coup. Réponds pour sûr, serre-moi bien, je boirai tout. Quand le petit pont a passé, à l'Igrand, tu es entré. Pour être il grandé, mon gars, les quatre escales tu feras. Deuxième escale, tribord, les triangles. À cause qu'on l'arc force droit, c'est tout beau. Mande à Claudine un petit muscadet. Comme t'es un pote, c'est un grand qu'elle te met. Quand le petit pont t'a passé, à l'île grande tu es entré. Pour être île grande, mon gars, les quatre escales tu feras.